Tiens, vous avez 3 minutes pour vous présenter. Saluer la population haïtienne. Saluer mon père, saluer là, et saluer toutes amies, toutes compatriotes de ce panel-là. Mais c'est un haïtien natif. Et m'a suivi dégradation pays, pas depuis 6 ans, mais depuis au moins 30 ans, que m'a fonctionné, que m'a travaillé dans le pays. M'a suivi dégradation. Dégradation environnementale. Dégradation des valeurs. Je ne pas des valeurs, quelle importance. Dégradation éducation et enseignement. M'a suivi. Et après 2010, l'homme t'est fini de lever 298 413 cadavres dans le pays. Ça m'a travaillé dans le CNE. Moi-même, je dis, il faut que je mette comme dans la bataille là pour me changer la situation. Et le ça a montré dans la bataille là, me poser candidature comme président. Pas la peine que nous tournions sur ça, nous connaissons qui ça s'est passé. Mais nous continuons de travailler avec la population proche pendant tout le temps ça. Et nous retournons encore en 2015 pour nous être capables pour un président. T'es capable président. Et là, on rend compte que nous avons besoin de penser sous volonté de peuple. Nous avons besoin de prendre le pouvoir peuple. Nous arranger pour défier le principe d'alternance qui s'est garanti, qui s'est garant la démocratie. Nous avons sorti pour prendre le pouvoir, pour nous faire. Nous avons traité de la valance. Nous pas pâché pour ça. Mais nous avons rappelé que il était mon pouvoir tout. Il était là-dedans. Il était là-dedans. Et il a gagné, il a gagné pour aider au supporter bilan négatif ça pour Haïti. Et nous-mêmes nous disons que nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter nous pour le gouverner. Nous mettons un garçon canson, un monde qui tourne le pays. On a mis Jude Célestin, président, qui sont numéro 31. Merci. Merci. Vous avez 3 minutes pour présenter. Peuple haïtien, frère monsieur, je suis dans le pays d'Haïti, je suis dans la diaspora. Madame qui est là, qui se boit de l'air dans le monde, auditoire, candidat, ça va être un pile plaisir que je suis campé là. À camper l'humilité, à camper la sagesse, pour nous dire peuple qui a gardé. Pour ne pas oublier 1804, nous avons une chaîne qui était dans le pied, nous cassons. Nous avons une chaîne qui était dans le même, nous cassons. Mais nous avons une autre chaîne. Une autre chaîne qui a suivi nous depuis après l'indépendance. Chaque moment, un gouvernement qui montait, un président qui montait, qui essayait, par exemple, nous avons parlé d'Antoine Sim, nous avons parlé de Dumas Estimé, nous avons parlé de Michel Matéli, qui essayait, pour chaîne ça, que le Baldi nous a cassé, mais il n'y a jamais eu de fait. C'est chaîne la misère. Et ces chaînes à vous dire à Mendou, moi je viens aider au cassé. Moi je viens aider au cassé parce que pour qui ça, n'a pas quitté le pays. N'a pas quitté, c'est parce que nous parlons de travail. Nous avons travail de l'autre côté. Nous avons des haïtiens qui vivent, des voisins. 400 000 euros à travailler. Nous avons pris un bateau, nous avons jambé pour la Bahamas. Nous prenons un avion pour le Brésil, nous pour le Chili. Et pourtant, Haïti, il y a tout ça que nous avons besoin pour nous être capables de déraper le tout bon. Nous avons des terres, nous avons des rivières, nous avons des soleils, nous avons des mondes. C'est ça que nous disons et c'est ce que nous avons dit depuis le premier tour, je dis à le quatrième tour. Nous disons qu'avec ZAM, quatre électorales, qui c'est ZAM ça, que constitution en banon
C'est le niveau pour nous être capables de travailler pour nous manger dans l'assiette pour nous mettre l'argent dans la poche. Et c'est ça, mon amour. J'en ai fait le 25 octobre 2015, force fait noir, craser l'élection. Mais 9 octobre 2016, je pense que vous pouvez oublier le passé pour garder le futur. Pour nous, Haïti, on Haïti tout vert, on Haïti que nous tout rêver pour que le peuple a gagné un siècle et a encore une poche libre. Merci à vous. Merci Elisabeth. Pour PPT, l'État débloqué chaque année 200 millions de dollars pour subventionner PDH. 7 millions de la population n'ont pas accès à courant électrique, si le papi plus. Gagner un peu de contrat l'État sien avec compagnie privée qui fournit courant électrique. Contrat en peu de qui baille compagnie privée tout avantage. Mon cap parle français dit des contrats léonais. Dis-moi clair, qu'est-ce que l'administration a fait pour question subvention à contrat? Gagner deux centrales vénézuéliennes. Comment l'administration là compte gérer? Fom dit que pour développer un pays, deux secteurs clés, ça veut dire, mais on a parlé de secteurs transversaux, on dit énergie, l'autre là c'est communication. Ça veut dire, et l'électricité, il représente, on a plus gros morceau dans l'énergie. En Haïti, nous connaissons que la loi dit que c'est EDA seulement qui te gagne droit. Exclusif sur la distribution courant, production, distribution et commercialisation. Mais nous, depuis plusieurs années, il y a un pile de compagnies privées qui ont des contrats, normalement des modifications qui sont faites, certes, avec des gouvernements, des contrats nommés pour produire courant pour l'État. M'a dit que secteur ça, est tellement important, je dis qu'on n'a pas campé, on a dit, nous pouvons retirer le contrat, ou bien nous parler de bail contrat. Ça qui est important, il faut qu'on réforme en profondeur dans le secteur énergie en Haïti. Parce que, on n'a pas parlé de développement. Moi-même, Jovenel Moïse, qui a comme priorité dans le programme, c'est la modernisation de, l'agriculture. Pas de moyen qu'on a fait l'agriculture, soit qu'on a modernisé sans énergie, sans électricité. C'est pour ça, moi-même, on parle de travail. Pour que réforme en profondeur en fait, pour que l'État, ça veut dire, qui a perdu 200 millions de dollars, j'aime dire qu'il a perdu sa vie, il a subventionné, parce que la compagnie privée a vendu l'énergie, hein, c'est l'État qui distribue. Ça veut dire que on manque à gagner un prix que acheter et distribution que vous faites. Par exemple, si l'État oblige à acheter 85% de l'énergie que compagnie privée a produit, l'État distribué, mais qu'on entre moins que 22% comme l'argent. Nous comprenons. Ça, on travaille, nous parlons de travail pour que réforme en profondeur secteur énergie à nous faire, qui va permettre que Haïti, que nous revenions tout le temps, parce qu'il est impossible pour que 7 millions de gens, ou sous Dili, pas gagner énergie électrique dans le pays. Centrale vénézuélienne. C'est trois centrales qui ont 30 MW à Port-au-Prince, 15 au Gonaïve et 15 au Cap-Haïtien. Nous connaissons encore, c'est ça que fait n'a parlé de bonne gouvernance, n'a parlé de meilleure gestion des biens publics, parce que centrale, ça, c'est pour l'État. Il faut que nous réformons de n'a parlé. Réforme en profondeur, nous parlons dans le secteur énergie. Nous parlons tout chita pour que nous travaillions pour centrale, ça, une meilleure gestion pour Haïti. Petit pays qui a bénéficié de production centrale zéro. Merci. Merci. C'est mal. Moi, je vais entrer dans une logique curative. Ça veut dire qu'il faut nous résoudre le problème. Et pour nous résoudre le problème, nous connaissons exactement 243 000 personnes qui ont un compteur dans le pays. Et 55 000 compteurs pas marché. Nous avons des chiffres. C'est ça qui est important pour nous connaître, pour nous capables d'identifier. Nous avons un problème au niveau du réseau. Il faut que nous uniformiser le réseau électrique. Et fait que nous avons un seul réseau. Le pays a ça qui est capable de nous faire la plus facile. Donc, nous-mêmes, nous parlons pour nous rentabiliser PDH parce qu'il est capable de rentabiliser. Si nous arrivons à faire les gens qui ne peuvent pas payer,
le ça mais même n'a pas temps rentabiliser si on veut convertir machine au lieu que a brûler gazoil il a brûler gaz naturel avec l'huile ça veut dire mazout automatiquement coût kilowatt là diminue donc nous même c'est la direction ça doit aller nous dans la direction pour nous faire pour nous porter solution pour nous faire bagaille c'est ça nous veut faire c'est pas pour nous retourner ça terre nous descendre. Ministre Elisabeth, en tant que création de richesses et d'emplois, il y a un axe qui est assez intéressant, qui c'est investissement national et étranger. Malheureusement, le pays vivant, Haïti, n'a pas gagné de moyens politiques en termes d'investissement national et étranger. Tout ça nous joigne pendant le vénal et l'année, c'est de l'aide au développement. Là, on connaît, et ceci de manière claire, qui ça, administration là, pour le faire, pour sortir pays à de l'assistana, côté nous recours de tout temps, et comment administration pour harmoniser et renforcer, ou bien, ça nous a dans le français à complémenter, pour permettre que ça n'a pas joué là. Tout le monde n'a pas fait même la grave, mais chaque monde qui a besoin fait en fonction des besoins. Merci. Merci. Même moi, aborder des questions hein, différemment. Nous pensons tout simplement il faut que nous créions un cadre attractif, un cadre global attractif, côté que tout le monde est capable d'investir. Ça veut dire ni international, là, ni national. Naturellement, cadre global attractif, ça, il y a un paquet de bagailles, il y a un paquet d'activités pour nous faire, pour nous créer. Il faut que nous résoudre le problème de justice là, justice foncière, sécurité publique, il faut que nous résoudre. Il faut que nous résoudre le problème de facilitation, de création d'entreprises et tout ça. Pour nous garantir que leur fait investissement, il y a bien traité. Que l'État ne peut pas le croiser, ne peut pas le gommer avec eux, mais l'État peut le faciliter et l'État peut le dire, il est content. Qui ont investi pendant gens par rapport à gens la protéger là ils ont fait type d'investissement ça dans pays parce que c'est ça nous besoin l'état pas nous pas créer emploi l'état pas nous créer conditions pour vivre avec l'autre pour nous créer emploi mais besoin c'est dit tout le monde qui a regardé là qu'on réponse là déjà et moi dis c'est la modernisation de l'agriculture si nous besoin sortir pays en assistance. Nous avons besoin de soutien dans la misère. La chaîne de la misère, nous avons besoin de c'est garder qui ça nous a. On garde 10 départements de pays. Chaque, il y a des plaines vides qui ne peuvent pas régler. Rivière qui ne peut pas jeter dans la main. Je dis, il faut une chita pour nous parler de création de grandes zones d'agro-exportation en Haïti. Pour le fait, c'est l'État, premièrement, qui peut venir avec infrastructure, ça veut dire, on dit, barrage, de l'eau rivière qui peut le jeter, il faut nous barrer, le soleil là pour nous utiliser comme énergie pour nous pomper de l'eau, et puis terre pour nous ouzer, le peuple là qui a parti pour le travail, parce que création d'emploi, je dis, c'est plus source de croissance et de richesse. Merci. Merci. Et troisième question que journaliste Sopra les poser sous thème 1, qui me rappelait nous, c'est gouvernance économique, création de richesses et d'emplois. C'est Valérie Numa qui peut aller gagner l'opportunité pour le poser à candidat. Merci Elisabeth. Bonsoir à toutes candidats. Je dis un compliment, c'était une bonne chance. Et ma prochaine question qui est plutôt large, qui a à voir avec le développement global. Par exemple, il y a des pays qui n'ont pas eu de développement durable, ils ont divisé pays par pôle. Dans le cas, est-ce que le candidat nous fait un travail comme ça, en fonction de potentialité région, pour que nous disions même pour le développement que nous envisageons. Et si jamais pendant 5 ans, moi, par exemple, fais 5 ans de l'Europe, et puis après 5 ans, je retourne ici, fais-moi rêver, fais-moi, par exemple, par rapport à pour le développement, ça, qui ça m'a privé, m'a privé dans un pays que je pas de joindre, qui pas de plaque, pas d'exister. Dans le groupe Panouan, nous-mêmes, nous choisissons 3 grands pôles de développement. Nous choisissons Nord, le Grand Nord, nous choisissons l'Ouest, et nous choisissons le Grand Sud. Ils ont tous gagné un transversal. Le transversal là, c'est que ils ont gagné agriculture qui est commune à toutes. Mais il y a des spécificités propres à eux-mêmes.
le Nord, là nous tourner, nous dans le Nord, là nous-mêmes qui sommes dans notre pays, aller dans le Nord, nous qui pouvons toute route qui est faite, qui pour faciliter que touristes capables d'aller là-dedans. Au lieu que nous faisons des touristes de passage, des touristes de croisière, pour nous faire des touristes de séjour. C'est ça que nous voulons mettre pour nous. Pour Sud-Lan, c'est l'agriculture. L'heure où tout le monde pourrait, tout pays a modernisé, il y a un tracteur qui travaille, il y a un technicien en agriculture qui a fait deux millions de travail. C'est ça que nous voulons faire. Merci. Merci, comme dit tout le monde, m'entendez. Tout intervenant, il me tend des questions, M. Numa. Je vais suivre avec attention. Il faut me dire que dans 5 ans, ou pas qu'il y a une possibilité pour développer tout pôle de développement, tout ce qui est en tête en matière de développement, parce que Haïti a permis de faire trois gros bagages. Ou il y a trois gros secteurs, disons quatre. Il y a l'agriculture, l'autre là, il y a les touristes, le troisième dans ses constructions, le quatrième dans ses services. C'est-à-dire qu'il y a quatre secteurs sur le monde, il faut regarder à travers le pays, hein, qui côté pour capable placer chaque nom. Le Nord, il y a plein de monde qui parle de lui, nous avons un bijou, par exemple, la citadelle. Est-ce que, et puis nous avons 700 000 touristes de croisière qui débarquent dans le Nord. Ça, nous avons affondi son pôle touristique et nous avons l'agriculture qui la donne tout. Mais en termes de développement, il faut être clair, nous avons fait un bagage dans chaque département, mais nous n'avons pas bien temps pour nous développer des grands pôles. J'en sais pas si vous êtes. Première question, ça. M'a rappelé que c'est M. Célestin qui va répondre, qui va avoir 3 minutes pour répondre. C'est une question que du SAP Richard, que n'a remercié, qui sont jeunes de 26 ans, qui a vive Jérémy, soumettre à JIAP. Il dit, comment n'a fait pour mettre l'économie haïtienne dans le même niveau à pays qui n'a Caraïbes là. Monsieur Célestin, vous avez 3 minutes pour nous. Nous, ce que dit tout à l'heure, nous avons créé un cadre global, attractif, qui peut faire que le monde vienne investir. Parce que nous-mêmes, l'État haïtien, nous n'avons pas de moyens. Nous allons faire des projets en PPP, en partenariat public-privé, et nous allons inciter le monde pour venir investir dans le pays. C'est ça nous prenons. Nous prenons non seulement FINFEL, mais nous prenons essayer de faire ce qualitatif. Ça veut dire pour nous sortir, côté nous, y a pour nous chercher la dernière technologie pour nous capables de former non seulement les jeunes, mais faire ça la validation et valorisation des corps de métier, des métiers traditionnels. Pour nous mettre nous au pas, pour nous garder des gens qualifiés dans le pays. Parce que là, nous prenons faire entreprise, nous venons créer stabilité politique, nous finissons créer sécurité pour tout le monde, il faut quelque part que nous gagnions main d'œuvre là, ou main d'œuvre qualifiée, ou main d'œuvre qui est capable lui-même d'employer. Et c'est là ça nous allons créer travail pour eux. Et c'est pour ça que nous disons, comme du Sapson jeune, nous répondons à tout jeune qui est dans le pays, que nous venons avec un principe, avec un concept, nous disons, un jeune, un métier, un travail, un avenir. C'est ça nous quitter pour eux. Donc nous voulons que eux-mêmes, ils comprennent dans qui ça n'a pas entré, parce que la population, le peuple, là, pas qu'à vivre, j'en ai vu là. Nous pour aller créer travail, nous pour aller faire formation pour le monde, pour nous capables d'inviter tout le monde à venir dans le pays pour venir investir dans le pays. Régler le problème énergie, ça a son problème pour nous résoudre, pour nous résoudre et nous connaître qui j'en veux résoudre. Régler le problème communication, routio, et nous pouvons profiter pour nous répondre. Non seulement du SAP, mais nous prenons toute côte sud là pour nous dire que il y a un candidat qui n'est pas d'accord que CNE fait route là dans 17 jours. Il n'est pas d'accord ça. Et il n'y a pas de connaître misère nous avons passé parce qu'il est sorti de l'autre côté. Nous-mêmes, nous sommes candidats à tout pays. Moun sud, moun grand danse, moun mip, tu as droit à un accès à la caille. Et c'est ça que nous avons fait. Là, nous avons fait route là avec mesdames nous. 517 femmes que nous apprenons, moi et Angèle, c'est ça nous fait. Là, nous avons fait passer sur route là, sur route que nous passons en 17 jours. Et nous remercions, mesdames, nous remercions tout le monde. Donc, nous prenons le travail pour nous continuer à passer route. Nous prenons le faire. Nous prenons le faire et c'est ça qui nous met dans l'autre niveau, au niveau économique, parce que nous prenons établir communication, nous prenons établir maillage routier
au niveau de tout pays. Dit mon cap garder mieux là. La stabilité politique est le premier des biens publics. Qui ça fait Dominicaine côté hier, c'est parce que t'es un moment monsieur dit on suspend goumen, on mettait on quitte pays à long président mandat fini, on élection faite pour l'autre président, les mêmes les monter les pour font l'autre mandat. Joaquim Balaguer avec Kepenia Gomez, nous songeait ça qui t'est passé. Jamaïque, Edouard Seaga avec Michael Manley, nous songeait ça qui t'est passé. Jodian, si nous voulons venir même Jacques Pays, ça, on a Caraïbes, là, il faut nous mettre devant nous propres. Il faut nous connaître que stabilité politique sont bien publics, pour nous connaître que un pays qui respecte tête, li, son pays qui chita sous constitution, sous la loi. La loi dit que son élection qu'il faut faire pour l'autre monde monter, pour l'autre monde pour pouvoir, c'est ça lié. Et moi-même, moi dis que Dominicani avec Jamaïque, Jodian, ce n'est pas un miracle qu'il fait, c'est des modèles que nous-mêmes nous avons suivis. Qui ça qui explique que Haïti pi pauvre dans Amérique là et qui ça nous pral faire pour régler cause pauvreté ça yo? Question ça, c'est une question que n'a dirigé à monsieur Moïse Jean-Charles qui pral gain 3 minutes pour répondre sous question. Par contre, si question en clair, oui. Merci. Que explication est simple et parce que pas une génération spontanée. Si depuis 212 ans, nous avons travaillé parfois, nous avons des présidents et des spots, ça veut dire paraître avec un projet en matière de développement, une vision, mais ça n'a pas jamais de continuité là-dedans. Et pour nous reprendre ça, professeur, tu dis tout à l'heure, moi je pense que nous avons besoin d'un projet qui cachita pour nous mettre tout ici ensemble, pour nous dire que c'est jamais dit dans le programme PAMNA. Les états généraux sectoriels de la nation pour nous rebattre quatre là pour que pour nous oublier pour nous, le passé pour nous sauter la donne pour nous garder le futur c'est le capable permettre nous gagner Jean Saïe par exemple en Dominicaine aujourd'hui ou garder PIB plus que 5 000 $ par habitant en Haïti nous moins que 1 000 $ ça veut dire nous même c'est ça c'est encore la stabilité politique c'est Zamza. Vous pensez que grande décision qui prend pour Haïti ou l'autre pays, pour Haïti s'allier, il prend à partir de l'union que tout fait nous. D'ailleurs, il marque l'union fait la force. Et c'est force ça que nous ne pouvons jamais gagner, parce que nous ne pouvons jamais mettre tête ensemble. Là, mon candidat est le juge Célesté qui a une conviction. Et c'est lui qui fait nous toute la vie. Candidat, ça, il clairement dit que c'est dans l'union pour nous faire pays à sortir de la pauvreté. C'est dans l'union pour nous couper la corruption, pour nous couper la misère, pour nous couper la malcité, pour nous couper les gens qui véhiculent les rumeurs alors que vous voulez président. L'offre le président, il faut qu'on au-dessus de tout le monde, pour qu'on j'en pour les bagailles, pour qu'on j'en yoye. Donc nous disons que, ou quoi, une fois encore, voter Jude Céleste avec toute l'équipe qui a, pour notre pays, pour notre pays. Merci Elisabeth. Et tout candidat qui est là, je suppose que nous tendons que moi réaliser un film documentaire qui est les destinations Brésil. Constat, c'est que de 2012 à 2015, il y a environ 90 000 Haïtiens qui quittaient le pays, hein, ou bien qui étaient de l'autre côté, qui allaient au Brésil, au Chili. Mais véritable Eldorado, c'est États-Unis. Premier aspect, qui garantit président qui va sortir là, hein, à bail que vous n'êtes pas obligé de courir quitter le pays. Hein, c'est un. Deuxièmement, l'homme arrivé dans un constat que je fais, majorité de monde qui joue un petit travail pour faire au Brésil, c'est monde qui sont des techniciens, c'est monde qui fait métier manuel véritablement, qui place filière. Métier yo pral gagner dans système éducatif panon par rapport à question formation professionnelle là. Merci. Une minute. Bon, je pense que condition que n'a parlé parce que automatiquement qu'on pays ou jeunesse ou force travail à quitter c'est parce que gon problème yo perdu l'espoir. C'est-à-dire yo pas wè clair. Mais moi dis li si pour nous capable éviter fuite ça. Fuite de cerveau, ça, fuite de main d'œuvre, ça, qui a quitté le pays. Son seul genre, font un travail
sur la création d'emplois. Et ce n'est pas une question de ville seulement, il faut travailler à travers la région qui permettre, j'aime toujours dire, les grands projets du développement, la modernisation de l'agriculture, que je parle pendant toute campagne, moi, c'est à travers ça. Parce que dans le niveau agriculture, il y a 30 corps de métier qui sont en train de faire. Et puis là, on a parlé de formation professionnelle dans tout. Ça permet qu'il y ait des métiers qui sont liés à travail que vous avez fait en un pays. Parce que qui vous êtes chargé, vous avez formé, vous pas formé pour le pays d'Haïti, tout le monde. Ok, moi, plusieurs candidats parlent de que l'État a voulu créer des jobs. Moi-même, je campé, je dis non, l'État n'a pas voulu créer des jobs. L'État a voulu créer des conditions parce que l'État est déjà déficitaire sous le job. L'État a créé déjà 70 000 emplois. Ma salariale a trop lourd pour l'État déjà. Ce n'est pas pour l'État créer des jobs. C'est pour l'État créer des conditions pour que les gens avec l'argent frais, viennent investir pour aider nos populations. Et ça, c'est des jobs durables. Moi, je crois que il faut que nous osions avec jeunesse. Et OSEA, c'est quatre points. C'est OCSCEECR. OA, c'est opportunité pour nous créer pour eux. Opportunité pour eux capables pour l'autre monde demain. Nous te disons, un jeune, un métier, un avenir. Nous te disons. Nous croyons que c'est pour nous aller avec une filière porteuse. Pour nous dire, mais qui ça nous a fait comme travail? C'est bail au travail parce que c'est l'espoir perdu. Est-ce que c'est pour stabilité? C'est pour service public, bail au service de base. EA, c'est pour l'espoir, pour retirer des espoirs. Et là, c'est ça nous fait, c'est rassembler. Merci Elisabeth. J'avoue que débat très animé, en pile promesse. Et c'est vrai que monsieur va mettre des chiffres sous. Mais un aspect qui est assez intéressant dans la question des services sociaux de base, financement et stratégie, c'est la question eau potable et assainissement. Je vais demander candidat à candidature. Et comment nous articuler la question assainissement? Est-ce que dans le niveau programme, nous faisons un bilan de combien de bassins versants qui gagnent dans le pays? Dans la question eau potable, Valérie Dumas, tout à l'heure, tu as parlé de rêve, un monde qui fait 5 ans dehors, mais là, je vais parler avec un quartier qui, sans doute, pourra le voisin et voisine nous, et 7 février 2017, qui est le quartier Fort National, jour où ça y a de l'eau courante entre la caillou et fait fête, parce que pas jamais jeune ça. Pour y aller à LCDLIC et faut que tu à 11h30 minuit pour y aller en boucle de l'eau. Je ne vais pas parler de femme rêver, non, mais bon, mon bagage clair, bien ficelé, bien détaillé. Je dis, sous administration, est-ce que la population a accès vrai à de l'eau potable? Et dans la question assainissement, je ne vais pas oublier sa question, l'appui à deux souris de pipi sous Port-au-Prince inondé. Puis gros menaces là sont menaces environnementales. Comment l'administration nous a aidé la population à faire face à la menace qui est assainissement et de l'eau potable pour gagner ou de l'eau qui a coulé dans le robinet qui de qualité? Merci en bien. Merci. Et premier candidat qui prend gain 3 minutes pour répondre à la question, c'est candidat Jovenel Moïse. Merci. Et il faut me dire que gestion de l'eau et la maîtrise de l'eau, c'est un travail qui est plus important, n'a pas parlé de l'eau de surface. Parce que ici en Haïti, nous amusons, nous avons pompé de l'eau seulement. Ça veut dire eau souterraine qui est supposée une ressource que nous quittons là. Nous pas utiliser eau de surface là, c'est eau souterraine, c'est les mêmes que nous avons utilisé. Pays d'Haïti, si nous parlons de chiffres, il y a presque 40 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent sous l'île chaque année. 60% à l'ébat. Évaporation, ça veut dire problème, non, nous pas faire réserve de l'eau, parce que si nous avons fait gestion, nous t'a permettre sous rivière, parce que les 284 rivières d'Haïti, nous parlons de quantité ça, nous parlons de rivières sèches et rivières qui viennent de l'autre. Alors, si nous avons géré de l'eau, qui t'a permettre leur rivière en cou, nous serrer, leur qu'on y a dans l'époque sécheresse, nous pomper, parce que tout pays qui respecte tête sur la terre, c'est de l'eau de surface qui est au bois. Il y a des pays même sur la terre, c'est de l'eau usée que utilisée pour faire irrigation et pour servir dans la toilette. Tout ça, il dit de l'eau, nous servit déjà que vous traitez. Mais en Haïti, nous avons de l'eau. Et moi, il y a des études qui font sur ça. Mais malheureusement, décision, nous avons un problème de leadership en un pays. Nous n'avons pas jamais des décideurs politiques qui disent qu'aujourd'hui, mais où sous l'annuel, c'est pour nous maîtriser et puis ensuite nous gérer. Là, nous parlons de l'eau de surface. Nous parlons d'assainissement.
On prend exemple en ville d'un coup Port-au-Prince. Combien de tonnes fatra que Port-au-Prince fait chaque année? Et qui ça nous fait fatra ça? Nous brûler. Et fatra aujourd'hui, qui est l'élément qui est là? Ou il y a un plastique là? T'es qu'on vient faire longtemps, pas faire encore, parce que nous avons tellement pris faire. Ou il y a un peu de faire fatra encore. Troisième élément, c'est les déchets organiques. Ou mon pays, côté. Ou une capacité pour exploiter presque 500 000 hectares en Haïti. Organique, ça veut dire bio, des terres qui sont sains, qui ne valent rien. Maintenant, qui sont besoin, on a besoin des unités de compostage. Au lieu qu'on fait des centres, c'est brûler, pour brûler les fatrayaux, pour capable de travailler sur les villes, pour mettre des centres de tri, qui permettent qu'on fait trio, et puis on mette des usines de compostage à même centre, qui permettent que compost ça. C'est formule chimique là, on dit, c'est ça que la Lavoisier te dit. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'un transformé matière organique, ça a dit pour manger tout le bagage, et puis les vins bon compost, la compost, ça les gars retourner dans terre pour venir rendre que nous fait manger, manger biologique, manger organique, manger quelqu'un de nous en santé, pour nous manger, pour nous revendre dans l'autre pays. Merci. Nous-mêmes dans la paix, nous abordons des questions hein, sur l'autre angle. Nous dit que nous définissons l'exclusion sociale. L'exclusion sociale, c'est le des mouns, bien des groupes d'individus ou bien une population pas gain accès à services sociaux de base, qui c'est de l'eau, qui c'est la santé et toute l'autre, l'éducation. C'est ça. Donc nous-mêmes, nous très penchés sous lui. Moi, en pile candidat dit, mais ça y aura le fait. Nous-mêmes, nous dit, mais ça nous fait déjà. Nous fait 42 lacs pour l'inan dans le pays déjà. Ça nous fait déjà. Et nous te dit, nous redit, c'est qu'on fait qui fait. Nous, ouais, candidat, tout à l'heure, a parlé de l'eau en surface. Eh bien, c'est ça qui fait peut-être qu'il te gagne pour te curer 750 km de rivière ou 330 millions de gourdes. Donc, nous, ouais, côté l'argent passé, nous, ouais, côté l'argent pays a passé. Et c'est moun sa yo pour nous pas quitter. Vin prendre tel pays pour y aller continuer à faire bagay ça. Pour nous faire très attention. Pour nous voter le moun, il a gomme contre yo. Merci. Merci, Elisabeth. Non, deuxième. Dans les dépenses publiques, l'État investit dans la question de la santé. Dans l'année 2011, nous avons rappelé le financement international dans la question de santé, dans le secteur santé, était représenté 70%. ONG, institutions internationales, ils ont commencé à désengager. Qui stratégie administration l'a compté utiliser pour corriger situation ça? Sous question planification familiale, une cause pauvreté, hein, c'est parce que pas gagné aucune prise en charge. L'État pas gagné aucun contrôle sous question ça. Comment administration l'a compté finalement aborder dossier ça? Il faut que nous commencions par identifier population. Il faut que nous commencions par recenser. Yo. Et à partir de là, nous sommes capables de dresser des statistiques pour nous connaître qui maladie gagne, qui gagne au marché, comment ça allait. Mais nous-mêmes, nous allons dans la construction de grands centres hospitaliers, plusieurs grands centres hospitaliers à travers le pays. Nous parler de prévention, ça veut dire pour nous vacciner tout petit monde. Et pour nous faire, c'est avec proximité que nous allons gagner par rapport à santé qui tout près de nous. Nous gagnons la formation, parce que tout ça n'a pas l'air, nous pas gagner docteur, nous pas gagner infirmière qui peut faire. Il faut que nous fassions une lutte, une démarche agressive pour nous gagner plus personnel de santé. Quitte à ce que nous formions des médecins, pas des docteurs, en 2 ans, pour être capables d'aider la population en soins. Il faut que nous fassions et il faut que nous acceptions les médecins qui sortent dans l'autre pays étranger pour nous faire le travail pour nous en Haïti. Merci. Bon, moi, il faut me tourner dans la question, parce que moi, tout le monde sorti hors de question. La question, c'était, parce que je me déprends note, c'est 5% du budget national là, qui est alloué à santé. Je pense que dans la région, ou bien pour me battre sous la terre, c'est le pays qui a moins scope dans le budget pour santé. D'ailleurs, dans tout pays qui respecte peut-être que c'est environ de 15%, lié minimum. Et deuxièmement, la question a été parlé de planification familiale. Et je pense que le contrôle des naissances aujourd'hui, c'est un plus gros problème que nous avons en Haïti. Il faut nous contrôler les naissances qui pour permettre que l'on
on malheureux, on malheureuse dit que petit c'est bien malheureux, faut nous dire que oui, petit c'est bien malheureux, mais lorsqu'il y a 12 personnes ou pas qu'à occuper son problème, lié tout. Moi, j'ai qu'en termes de planification familiale, le contrôle des naissances, ça ne va pas travailler sur lui. Et deuxièmement, duplication qui fait dans ONG Capvini qui travaille dans la santé, nous pas le travail pour que duplication ça nous réduit. Merci. Son question que un jeune de 25 ans qui relaie Genel Geffra, qui est dans l'Artibonite, posé, lui demandait comment évaluez-vous le partenariat entre l'État et le secteur privé dans le domaine éducatif haïtien? Si vous n'êtes pas satisfait, quelle sera la démarche de votre gouvernement dans ce domaine? Ça, c'est une question sur éducation que Genel Geffra, qui est dans l'Artibonite, posait. Pas qu'on ait ici dans tête étudiant, lui penser à des autres gagotes que le gouvernement qui s'est passé la PHTK a fait, n'a financé de l'école, son faux projet psugo, que a quitté 4 milliards de gouttes, il a doué des mouns, et de l'école qui est obligé de faire, même pas qu'on qui j'en l'ouel lui-même, c'est dans l'optique ça l'a gardé. Mais, moi, qui a dit que wall l'État, effectivement, c'est augmenter accès à à l'école l'État. Ça veut dire l'école l'État en général, nous ne pas payer là-dedans. C'est déjà une partie qui est gratis dans l'école. Maintenant, est-ce que l'école privée est capable d'utiliser ça nous gagne comme espace public au niveau de l'État pour être capable de faire des stages, pour être capable d'avoir une chance, pour acquérir une certaine expérience? Ça, nous d'accord avec. Mais au niveau de partenariat direct, ça veut dire l'école avec l'école et le privé, le secteur privé et le secteur public là, li poko chita. Li poko chita, et nous-mêmes, nous pas envisager le comme ça. Nous envisager le différent. Moi-même, moi toujours dis, li, et moi fais partie de solution, moi fais partie de problème. Moi, rêve a toujours à moitié rempli. Pays d'Haïti, mon système éducatif quand même. Pour me répondre à une question, parce que encore une question, qui dit que est-ce que je suis satisfait de partenariat public-privé, hein? Et il dit, où est l'État dans tout pays sur la terre, une partie de l'éducation qui suppose gratis. Même le, il y a des gens qui ont moyen, qui ont même décidé de mettre les petits dans d'autres écoles, mais il faut que l'accessibilité à l'éducation soit une réalité. Moi, je pense que bon loi, c'est FNU, qui était bloqué par 6 sénateurs de la République qui t'a permis de des fonds innovants qui entrent pour tout le monde malheureusement à l'école. Moi, c'est que ça, c'est là nous parlons de travail pour permettre que loi ça, les vignes, une loi qui votait pour que petit malheureusement à l'école gratis. Nous allons passer à question que public là est posée sous thème que nous débattons, qui c'est services sociaux de base, stratégie et financement. L'éclatement familial, les migrations internes comme externes et le tremblement de terre de 2010 ont augmenté le groupe des personnes âgées, isolées et sans réserve. Ce sont souvent des femmes, parfois chefs de famille, et qui vivent dans une grande pauvreté. De quelle manière prenez-vous en compte la situation des personnes âgées dans les stratégies d'accès aux services sociaux de base? Par contre, si question un petit Jean Long, oui. Et lui parlait de éclatement social, de migration, de tremblement de terre qui augmentait, groupe personnes âgées isolées et sans réserve. Et ce sont souvent des femmes, chefs de famille, qui vivent dans une grande pauvreté. Alors la question en soi, de quelle manière prendrez-vous en compte la situation des personnes âgées dans les stratégies d'accès aux services sociaux de base? Donc, les personnes âgées, qui services sociaux de base que nous sommes capables d'envisager pour les personnes âgées? Alors, question ça, nous pourrons aller avec qui? Avec M. Célestin. 3 minutes. Okay. Nous, nous sommes dit tout à l'heure, nous définissons l'exclusion sociale là, nous disons que le monde n'a pas justement accès à services sociaux de base. Ça veut dire logement, l'eau, manger, éducation, mais là, on a parlé de troisième âge là, il faut que nous comprenions que nous non pays côté que pas grand ken assurance aucune garantie pour moun sa yo. Nous mêmes nous va créer dynamique ça, nous va créer, nous va mettre en place côté que nous gagnons des
village que nous allons faire pour nous capables de mettre mon yo. Dans toute zone que nous avons fait, nous avons un grand espace spécial pour mon troisième âge. Mon troisième âge, nous avons un soin de santé que nous avons mis pour yo. Nous avons toute qualité assistance côté que nous sommes capables de faire des foyers pour grand monde, côté que nous sommes capables de faire vivre plus longtemps. Parce que c'est des gens qui sont complètement abandonnés. Il y a des gens que j'ai rencontrés qui, pour continuer en cas, c'est des gens sous quartier qui occupent eux. L'État a une responsabilité pour les prendre ça en charge. Affaires sociales, c'est un bureau pour ça. Mais le bureau n'a pas dynamique. Le bureau a manqué de faire travail. Nous-mêmes, dans la force, dans la réforme institutionnelle que nous allons faire, nous allons renforcer l'institution SAIO pour nous faire prendre non seulement les gens SAIO, les troisième âge. Compte, mais pour nous prendre tout handicapé, pour nous prendre tout handicapé, pour nous expliquer moun, que l'œil ou mon bébé, c'est pas un défaut. Son handicap li gagne, donc pour aussi suspendre le jour et mon candidat bébé. Faut vous comprendre ça. Parce que faut vous comprendre que ce sont des handicapés et moun sa yo, faut vous traiter comme il faut. Donc, avancer pour nous expliquer bien, pour nous expliquer que non seulement après le tremblement de terre qui fait là, côté que nous-mêmes nous te mettons dans la rue pour nous te faire ça, nous te faire, ça veut dire sauver des vies et ramasser des cadavres qui te cabanent nos maladies. Nous voyons, nous manions, nous voyons moun qui perd du bras, nous voyons moun qui perd du pied et moun sa yo, nous connaît. Yo en dedans programme noir, côté que nous prenons créer des instances qui pour prendre yo en charge, qui pour aider yo sortir dans la solitude que yo y a d'abord. Et aider à sortir dans tout problème que vous avez gagné, comme problème la manger, comme problème santé, comme problème tout, parce que vous avez des handicapés, comme problème éducation. Merci. Merci. Et nous allons commencer avec réaction. Merci, public. Je pense que grand monde, d'ailleurs, j'en ai pas même toujours dit, c'est petit monde, je dis grand monde demain, il y a un cadeau moins spécial pour supposer, by monde qui démuni, certes, mais en fait, ni moun kap travay nan privé, ni moun kap travay nan l'État, ou jeune. Lor jeune, mon moment kwa privé, ou vieille tout. Maintenant, fok nan affaire de pension. Parce que moun konnen gon problème de pension, bien, c'est moun ki nan l'État ki gagne une pension, moun ki nan privé pa gagne une pension. Moi-même, moi pa le travail. Le peuple haïtien avec zamni, en kat électoral, li alvin bam pouvoir. Moi pa le travail pour que pension, étape pour tout le monde. Et puis, renforcement institution, par exemple, CAS, Caisse d'assistance sociale, nous pouvons faire jouer rôle pour que les gens qui démunis, qui baguent en famille, qui jouent dans le cadre. Merci. Merci. Madame Bo. Troisième thème, qui c'est bonne gouvernance, réforme de l'État, justice et sécurité. Dans l'intervention de tout candidat, il y a entendu sur le principe que bon problème de bonne gouvernance en Haïti qui fait que le pays n'a pas qu'à développer. Ça, c'est on constate dans toute intervention. Mais en plus de plaignants, il y a des mauvais signaux qu'en pile candidat qu'on voyait, par exemple. Il y a des gens qui ont reproché la clameur publique ou même la justice. Ça n'a pas empêché que les gens constatent que les gens ont dans le dos des candidats. Sur la question de corruption, les mêmes nous disent que c'est parce qu'il y a un pile des ordres qui fait dans l'agent de l'État, trop corruption. Le moun yo entre dans l'État, yo enrichi tête yo, alors que le pays a vin pi pauvre. Est-ce que le candidat qui l'a eu ka bay garanti, après le gagner un véritable procès contre la corruption sous mandat yo? Est-ce que a bay la justice outil pour l'indépendant véritablement pour que le monde qui a habitué piller l'État yo un exemple pour une fois qui tracé en Haïti? Merci et nous pral. Encore. Bonne gouvernance, c'est respect institution. C'est pas création l'autre institution. C'est respect et c'est bayo espace que vous supposez occuper dans l'État, dans le cadre étatique. C'est ça qui est bon. Avec là, nous-mêmes, nous avons parlé de bonne gouvernance. Nous disons que nous allons renforcer l'institution supposée veiller des autres qu'a fait. Nous allons annuler, éliminer dépenses inutiles qui automatiquement tout nos revenus pour l'État leur effacer dépenses inutiles. C'est ça nous voulons. Nous ne pouvons pas créer l'autre bagaille. Nous pouvons effectivement renforcer et supérieur des comptes. Faire le fait non seulement une reddition des comptes après, mais faire
pendant tout. Et UCREF là, certainement, nous avons un rapport dans le menu sorti. Le rapport ça, nous allons encourager. Nous allons encourager pour nous joindre côté comme la passé, comme l'État, sort passé là. Pendant 5 ans, ça pour nous joindre un peu. Pour ce contre la corruption, je pense que c'est une des grosses âmes du paysage mondial besoin. Parce que moi-même, je dis, Haïti, nous ne sommes pas capables de servir avec institution. Pour le un groupe de monde qui représente le passé, mon pays, a fait politique, nous servons à institution pour nous voyer la boue sur l'autre monde qui est propre. Et moi-même, je dis, aujourd'hui, pays ça. S'il vous plaît, vous mangez 5 minutes. S'il vous plaît, n'a pas mangé minute, candidat. Que nous revenons tout là, sont Haïti côté du monde, nous yon nous ka respecter l'autre. L'on est pour l'État, ou servak institution, ou sal l'autre monde, aussi dangereux que ou entrer dans la corruption directement. Moi-même, je prends le travail pour que cette corruption, ça, il y a une vérité, il y a une réalité. Merci un peu. Merci. Alors, dans le thème, ça, il y a un sous-thème qui est intéressé en pile, c'est aménagement du territoire et urbanisation. Défaillance l'État dans la politique logement, dans les services de base, yo, la cause anarchie dans la ville. Dans la ville, fait quelqu'un. Dans la ville. Qui réponse administration a compté poter pour corriger la situation ça? Qui stratégie équipe ou a utilisé pour porter service de base dans tout raccoin dans le pays pour éviter l'exode? Et un élément important dans la question aménagement territoire, c'est CADAS. Qui sa administration a fait pour rendre CADAS fonctionnel, pour remplir mission comme ça doit? Existence en ville, en village, il y a plusieurs phénomènes qui font. Sans, surtout des phénomènes sociologiques. Il ne faut pas prendre une ville pour déplacer le passé. Par contre, ça moi, je crois qu'on catastrophe imminente. Nous-mêmes, nous avons construit Villio côté de avec différence que nous avons projet, nous avons le projet Tiwar. Projet Tiwar, son projet que nous construit des cailles sur plusieurs niveaux, en dehors légèrement de côté qui est dans la ville. Et nous déplacer les gens qui habitent tout près, nous mettons là-dedans. Après ça, nous craser ça pas bon. Et puis, nous faisons au fur et à mesure. Nous faisons avancer avec Villa pendant que nous définissons le plan d'ensemble aux zones. Dans le plan d'ensemble, ça a un réaménagement territorial et a gagné le territoire, ça n'a pas l'air, et a gagné tout besoin, tout service social. Ça veut dire l'eau, l'électricité, que nous-mêmes nous avons des plans pour nous gérer. Aménagement du territoire et l'urbanisation sont grosses sciences. Et maintenant, en Haïti, il y a des gens qui commencent à travailler sur ça. Et d'ailleurs, bon, l'État qui organise ici, qui travaille sur le problème d'aménagement du territoire. Mais il faut nous dire, décentralisation service de base. Moi-même, je suis très intéressé à ça, c'est parce que actuellement, dans la campagne 4e, nous avons fait 145 communes BIA et en pile dans la grosse section communale. Il y a des côtés arrivés. L'État existait, c'est sous carte électorale Mounio ou Egon Palmis, ça veut dire que l'État n'a pas existé du tout. Moi, je pense que la meilleure façon pour nous parler de décentralisation, d'urbanisation, il faut nous porter service réellement juste dans le coin qui peut reculer dans le pays d'Haïti. Et puis, voilà, cadastre, il faut payer un plan cadastral sérieux pour nous capables d'aller vers un aménagement sérieux. Merci. Merci Elisabeth. Dans le thème si là, qui c'est bonne gouvernance, il y a un aspect qui attire l'attention et qui est bien marqueur, c'est la question constitution, parlement et parti politique. Vous souhaitez que le candidat ait noté, puisque l'homme. Dans la constitution, je me rappelle qu'il y a un ancien président de la République qui t'a dit constitution sont source d'instabilité. Mais regardez avec nous, dans l'administration, nous, est-ce que nous pouvons faire plaidoyer pour l'autre constitution? Est-ce que nous pouvons faire un jour pour la Constitution, ça a respecté? Comment on a particulier la Constitution? Comment on a voué? Dans la question du Parlement, le map gade, monsieur, dame, candidat, ce n'est pas nous tous qui gagnons majorité vraie dans le Parlement.
d'arriver nous montrer à la population qui formule nous pour l'appliquer pour nous joindre majorité ça qui pour aider nous à terre vision nous à travers politique générale premier ministre nous et relation nous avec parlement comment nous pour gérer la question parti politique yo loi sous fonctionnement parti politique yo pas trop respecté. Je dis à 20 à tout faire, mettre ensemble nos faux partis politiques qui réunissent dans le garage, dans le catable, dans le chevestre et l'atelier. Dans l'administration, pas nous, parti politique, nous voulons dire qui ça pour nous. Est-ce que nous estimons que son loi qui t'a modifié, remodifié, ou bien son bagage, faut que nous t'a repensé net? Merci un peu. Merci Tamara pour question 1. Et c'est candidat Jude Célestin qui va gagner 3 minutes pour répondre à la question 1. Effectivement, nous avons un parlement mosaïque. Mais il y a des groupes qui mettent ensemble. Moi, je crois que il faut que nous fassions, il faut que nous vivions avec elle. Et seule formule qui vient, c'est le dialogue. C'est dialogue, c'est parler avec nous. Je crois que c'est un tort de dire que il y a tout fait partie. Parce que c'est tout le monde qui voulait participer dans la construction de la démocratie. C'est des gens qui gagnent pour nous respecter. Moi, je crois que la loi sur le parti politique, là, effectivement, elle a gagné des problèmes. Nous avons travaillé sur lui, nous avons des propositions déjà écrites. Mais également, nous pouvons tout, que la Constitution a créé un pile problème. Parce que la Constitution a un paquet antinominal. Vous avez dit, il y a un article qui démentit l'autre article. Et nous rendons compte que la Constitution, ça nous vient là, mandé pour nous gagner une élection chaque année. Nous ne pouvons pas vivre avec une élection chaque année. D'ailleurs, nous, qui j'en ai fait, ils ont même choisi bataille contre la Constitution. Ça veut dire qu'ils ont fait 5 ans, ils n'ont pas fait élection. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Nous-mêmes, nous prenons le chita avec toute force vive. D'ailleurs, nous commençons à faire déjà. Nous avons un pile parti politique qui est avec nous, un pile candidat à la présidence, un pile organisation avec nous. Ils ont même venu rejoindre nous justement pour nous résoudre le problème de la Constitution. Pour nous dire que. Nous avons un problème avec la Constitution. On hein? Nous résout, on nous cherche le problème, on nous identifie pour nous faire que nous n'avons pas besoin d'une élection chaque année. Une élection, côté que l'élection lui-même, pour qu'on parle, coûte $93 par personne. C'est ça le tarif à passer. Alors que dans l'autre pays, il coûte $2.20, il coûte $4.40. Nous ne sommes pas capables de faire chaque année. Parce que d'autant plus que nous n'avons pas de moyens pour nous faire. Nous pensons que pour nous travailler avec. Toute force vivio pour nous mettre nous à l'écoute, j'ai l'habitude de faire, pour nous jouer nos formules, côté nous jouer nos constitutions, qui est capable de faire nous avancer. Ça nous prend décision, ça nous dit que nous prenons le travail pour nous gagner une constitution qui est mieux adaptée, qui fait son moins émotion, qui fait avec tête, mais qui n'est pas fait, Jean, il est fait avant. Nous prenons le travail sur ça, nous pensons que nous avons initié mouvement. Nous-mêmes, nous travaillons vers la création d'un grand mouvement politique. C'est ça que nous faisons là, nous tous les mêmes. Nous ne voulons pas pour nous gagner un pays qui a 192 partis politiques et leur aller, c'est 128 qui a accepté, 126 qui a accepté. Nous disons que nous faisons le travail vers ça. Et la même constitution, nous avons expliqué au tout que médecin, pas docteur. Nous avons expliqué aussi. Que l'heure dit médecine faite en 2 ans, oui, c'est vrai. Il y a des programmes spéciaux que vous faites en 2 ans pour vous former des médecins. Bien. Réforme constitutionnelle, c'est un pilier que je fais campagne avec lui pendant 17 mois. Parce que je ne vais pas oublier dans le 4e tour. L'élection crasée, il y avait du $100 million. Et aujourd'hui, on m'a dit que l'État, pays, ça y est, nous n'avons pas capable de vouloir. Pour qu'en constitution qui est là depuis 1987, ça c'est un. Deuxièmement, les mutations sociales, les progrès technologiques, les progrès scientifiques, pas permettre que l'on en constitution ou pas 10 en moyenne chaque 10 ans pour un amendement qui fait tout. C'est pour ça nous-mêmes, nous parler des états généraux sectoriels de la nation, pour que l'état généraux fait, tout secteur vienne parler de ça, pour que nous en constitution, un amendement constitutionnel qui est lié à problème que le pays a connu aujourd'hui. Merci. Que Lionel Bissette proposait comme question. En pile, moun savait quoi si nous fait livre l'école en Haïti en créole, si moun yo apprendre
plus vite et plus bien. En pile l'autre fait quoi tout, si nous gagnons deux langues officielles, c'est pour toute affiche et toute écriture publique, nous y a fait dans deux langues. Qui l'idée ou gagne sous question ça, qui est stratégie ou gagne pour éradiquer discrimination sous langue créole à complexe infériorité qui s'imaillait dans la société. Et avant de passer la parole à candidat Jovenel Moïse, et je vais me reprendre une question, hein, parce que la question est un petit genre longue. Yo question a été dit que en pile monde savait quoi si nous fait livre l'école yo en Haïti en créole ti moun yo a pas apprendre pi vite et pi bien. En pile l'autre fait quoi tout si nous gain deux langues officielles, c'est pour toute affiche à toute écriture public nous yo ta fait dans deux langues. Qui l'idée nous gagner sous ça? Qui est stratégie nous gagner pour éradiquer discrimination sous langue créole à complexe infériorité qui s'imaillait dans société a? Ok, donc, ni public ni tout le monde à l'aise, et Monsieur Moïse, et une minute de réaction, comme prévu. Je pense que langue sont moyen de communication. C'est-à-dire, en Haïti, la loi dit que pays que nous parlons deux langues. C'est ça la constitution dit. Nous parlons créole et nous parlons français. Et dans le respect de la loi, moi-même, moi dis le peuple là. Zamgi nan mon carte électorale pour voir ba moi deux langues ça yo y a prêté deux langues officielles parce que c'est ça la loi dit et seul ça qui gagne parti qui plus important nous pral travail sur méthodologie yo ça veut dire méthode d'apprentissage moi pense que gonti erreur qui gagne dans apprentissage français en Haïti yo plus chita sur apprendre monde écrit français au lieu que vous chita soit apprendre monde parler français parce que nos langues ou ka apprendre monde écrit on soit ka apprendre monde parler tout moi même moi pral travail pour que tout haïtien ka l'école qui scolarisé ka parler français même je ka écrit créole écrit français mais pour afficher nous pour deux langues. Merci beaucoup. Merci madame Bozile. Je pense fort nous font différence entre langue officielle et langue d'enseignement. Là, son ligonti nuance là-dedans. Nous-mêmes, nous croyons que, effectivement, langue sont outils de communication. Mais ce n'est pas ça seulement lié. Langue, c'est culture. Langue, c'est mémoire. C'est ça lié. Et nous croyons que, pour notre travail sous créole, la créole est important parce qu'il permet qu'on y a tout le monde communiquer entre eux, tout le monde qui a communiqué. Mais, moi, je pensais que, nous gagnons un travail pour nous faire pour nous avancer sous grammaire créole là qui pas défini, sous orthographe réel créole là qui pour fin défini et sous qui pour fin défini parce que son orthographe phonétique, il y a monde qui écrit nous gens, il y a l'autre monde qui écrit l'autre gens. Il faut que nous travaillons sous yo pour nous gagner des guides sous base grammaire pour nous capable avancer. Mais nous-mêmes n'a pas qu'aimer toutes les deux langues jusqu'à présent. Quel mécanisme comptez-vous mettre en place pour alléger l'appareil étatique pour permettre d'une part de diminuer les coûts déjà trop lourds pour un État avec peu de ressources et une trop petite assiette fiscale? Et deuxièmement, faciliter l'investissement étranger ici, en Haïti. Donc, question à deux volets. Qui ça n'a fait pour diminuer les coûts qui déjà trop lourds pour l'État qui n'a pas de ressources et qui ont trois petites assiettes fiscales qui n'ont pas réussi à collecter correctement? Et qui ça n'a fait pour nous faciliter l'investissement étranger en Haïti? Qui mécanisme nous pensons nous mettre en place pour alléger l'appareil étatique-là pour nous capables d'obtenir résultat dans deux aspects ça. Question en clair? Oui, ça va pour tout le monde? Mettre lancer débat. Et c'est avec M. candidat Jovenel Moïse que nous pourrons l'accorder 3 minutes pour répondre à question publique, la question salle-là. Justement, l'État, nous connaissons pour déjà dit. Je trouve que l'État est le plus mauvais administrateur. Dans tous les pays du monde.
Mais moi-même, m'a dit que pouvoir peuple ça va là-bas moi avec carte électorale là, je me dis tout temps zamnia. Nous pas le travail pour que l'État jeune balé de renforcement institutionnel, réforme constitution. Nous pas le travail pour aller vers modernisation l'État. Et modernisation, il pas le fait avec un rapport technologique en dans l'État. Parce que je dis, on prend exemple au monde qui besoin font passeport, au monde qui besoin font acte de naissance, qui était dans la 5e section communale de Saint-Marc. Pour l'obliger, c'est Port-au-Prince pour l'entrée, pour le venir dans le bureau immigration, pas dans quel moyen dans 145 communes que le pays a gagné, à travers les mairies, à travers les collectivités, ou services à l'eau pour offrir. Nous-mêmes, nous prenons le travail pour que dans 140 communes qui ont gagné magistrats élus, parce qu'il y a 5 communes. 5 nouvelles communes qui pourront être magistrats, pour l'État présent à travers tout le pays, pour que services soient déconcentrés, pour alléger le mécanisme étatique. Investissement étranger, pas de pays sous la terre qui veulent parler de développement, pour ne pas parler d'investissement étranger. Mais pour jouer un investissement étranger, il faut créer conditions ou étranger qui a venu ici dans le pays. Première condition, nous te dit, c'est la stabilité politique qui est le premier des biens publics. Pas un pays sous la terre, où les gens viennent investir la carrière, premier soit fait, former de devoirs propres. Nous-mêmes, nous disons, nous parlons de travail pour que l'ordre et le progrès soient rétablis dans le pays. Ça veut dire, pour le pays avancer, fuck. Il y a l'ordre en Haïti. Ce n'est pas qu'on a décidé. Il dit que je ne veux pas demain matin tel bureau de l'État ouvert et puis aller le camper, le fermer. Nous-mêmes nous disons, nous parlons de travail pour que l'ordre progrès rétabli dans le pays, pour nous avoir une stabilité politique, pour nous avoir une sérénité dans la famille haïtienne qui permet que l'investissement étranger est capable d'entrer. Parce que tout étranger t'a aimé mettre le bio ici. Mais, problème non, l'instabilité politique, il n'y a pas de jambes qu'à faire. Même moi, je dis, on va le travail pour que nous avons Haïti qui se tape tout bon. Merci. Merci. Oui, mon frère Jean-Henri, que CNE dépend de ta population. Le cas qu'il va t'apprendre ça, je me rappelle ça. Moi, ouais, tout à l'heure, moi-même, ce n'est pas comme ça d'aborder la question. D'aborder différemment. Dans l'équipe, pas nous, on aborde que c'est le nombre de postes de signature que nous diminuons. Pendant que nous avons renforcé le contrôle, c'est ça qui fait que l'odeur là pour un nid beaucoup plus léger. C'est le premier parti. Mais là, on sort le candidat PHTK. Effectivement, il dit l'État n'a pas jamais bon gestionnaire. L'État n'a pas là, pas de bon gestionnaire. L'État n'a pas, pas le bon gestionnaire. Et nous te dire déjà, nous prenons créer un cadre global attractif pour attirer l'investissement. Cadre global attractif, là, il y a sécurité publique là-dedans. Il y a sécurité foncière là-dedans. Il y a un pile candidat constaté problème. Jude Célestin vient avec des solutions. Il non seulement vient avec des solutions, mais ils ont une attitude dans la question. Ils ont Jean Lié. Et Jean Lié, il n'a pas marché en Green 5. Il a marché avec toute une équipe. Et nous avons scellé le principe union déjà. Nous connaissons la politique là que Jean. La politique là, c'est Jean, ou grand intellectuel de Dili, il unit, il désunit et puis il réunit. Jodia, certainement, il y a un pile qui l'a allié. J'entends. Jodia, nous avons des unions. Mais union pour le vini. Union pour le vini, peut pas ici. Et c'est nous qui va le symboliser. Jean nous commence à symboliser. Votez Jude Célestin, parce que c'est lui qui part en Green 5. C'est lui qui vient là
c'est lui qui a commencé à parler avec l'autre secteur. C'est lui qui mettait au chita ensemble. C'est lui qui a un programme côté tout le monde là-dedans. C'est lui qui a un programme côté lui montrer exactement le chemin pour nous suivre là, qui c'est le chemin union de tout Haïtien pour nous faire un autre Haïti. Jean, un journaliste, remédie, un autre Haïti possible. Pour l'autre Haïti, ça a fait voter Jude Célestin, numéro 31, parce que l'est arrivé. Avant que je commence, je vais faire cadeau 10 secondes de silence pour un gros garçon, un nègre à bord, un nègre caille, qui t'a combattu la corruption, qui t'a combattu le blanchiment d'argent, qui t'a combattu le trafic d'influence. C'est Robert Marcelo qui m'a demandé 10 secondes de silence pour lui. Merci beaucoup. Merci en pile. Moun kap gade mieux là. Moi saute mandé 10 secondes de silence pour Robert Marcelo qui disparaît dans condition que tout le monde connaît. Et moi-même, moi dis Jovenel Moïse, candidat à la présidence, moi fais choix ça. Moi saute loin. D'ailleurs, dans la politique. Tout le monde connaît, tout le monde cap garder moi. Moi fais choix ça aujourd'hui, c'est parce que dans la majorité silencieuse côté MDA, moi dis moi bouqué. Moi bouqué ouais. C'est comportement ça que des politiciens, des monde cap faire politique dans pays a depuis longtemps gagné avec reste pays a avec monde qui est plus pauvre. C'est pour ça me dit l'homme d'a commencé gon chaîne qui dans pied nous, gagne qui dans main nous. Moi dis nous nous casser déjà. Jodi a nous yon. L'autre là c'est chaîne misère. C'est lui qui dit nous voter pour nous casser chaîne misère. Mais au cinq ans pour nous mettre terre, rivière, soleil là avec nous ensemble pour nous gagner grandement manger assiette nous avec l'argent dans poche nous. Merci beaucoup.